Bienvenue à toutes et à toutes, bienvenue dans le Zanzana Livestream Metal Interview. J'ai le plaisir d'avoir avec moi aujourd'hui les Deathwish pour ça, ce nouvel album qui s'appelle Push the Button. Et pour en parler, j'ai avec moi Alex. Salut Alex. Salut, salut. Merci d'avoir accepté cette interview. Je rappelle, l'actualité, c'est Push the Button, un album qui est sorti déjà au mois d'octobre dernier, mais c'est bon de rappeler aussi qu'il y a des bons albums qui sont là. Push the Button, parlons un petit peu de cet album, Alex, en gros. Ouais. Alors, on va commencer. C'est compliqué d'expliquer ça. En fait, c'est un album. On va commencer par le commencement, hein, pour ceux qui ne connaîtraient pas le groupe, hein, les Deathwish. Parlons un petit peu de l'historique du groupe. Alors, l'historique du groupe, elle est un peu chaotique, comme pas mal de groupes. En fait, j'ai intégré un groupe qui s'appelait Triacanthos il y a une quinzaine d'années, qui faisait du thrash metal avec des bons morceaux bien sympathiques. Après, il y a eu différents changements de line-up, etc. Le groupe, en fait, a splitté et il restait plus que le bassiste, un nouveau guitariste et moi. Le bassiste a décidé d'arrêter et m'a dit, bah, écoute, Alex, voilà, je te laisse le groupe, t'en fais ce que t'en veux et je te laisse continuer. Et on s'est retrouvé donc à deux avec donc Nico, le premier guitariste, fondateur de Deathwish, qui est d'ailleurs c'est lui qui a trouvé le nom, et moi. Et on s'est dit bon bah on avait quelques morceaux, voilà, on s'est dit bah ok on y va, on change le nom. Et en fait Triacanthos c'est un arbre févier d'Amérique centrale notamment. Et on s'est dit bah c'est un arbre qui est mort, mais les graines sont encore là. Et donc c'est Deathwish, les graines de l'arbre mort. Et on a remonté le groupe donc Deathwish avec Nico et ensuite divers changements de line-up et on en est là. Voilà l'histoire. Voilà, la renaissance après la mort, quoi, c'est ça, quoi. Voilà. Les Comme graines le étaient phénix. encore là, voilà, les graines étaient encore là, on est reparti, quoi. Exactement. Très bien. Ça, c'est pour l'historique du groupe. C'est pas votre premier album, si je m'abuse. Oui, il y a eu un premier album qui s'appelait Seeds of Thrash. Encore une fois, en rapport avec les graines du thrash metal, donc les graines de Triacanthos et Deathwish, avec 4-5 morceaux, il me semble, composés par les membres de Triacanthos à l'époque. Donc on a repris, plus d'autres morceaux qu'on avait composés nous-mêmes, et l'album entièrement autoproduit à 100%, donc enregistré dans le local de répète, avec des micros qu'on avait récupérés. Nicolas, donc l'ingé son, qui était guitariste de l'époque aussi, s'était tout occupé de tout. Donc on avait vraiment tout fait comme on pouvait à l'arrache. On avait zéro moyen. Donc on a fait comme ça et voilà, on a fait ce premier album. D'accord. Et puis voilà, l'expérience qui a bien marché. Et là, carrément, c'est le deuxième album, celui-ci, Push Voilà. the Button. Voilà, différents changements de line-up entre deux, parce qu'on a eu 7 ans entre la première et la deuxième album, il y a eu 7 ans d'écart. Beaucoup de changements de line-up, malheureusement, pour des choses, bah voilà, des raisons personnelles en fait. Des gens préfèrent arrêter, se ranger, d'autres ont des opportunités professionnelles aussi, donc ils font des choix, et j'en veux à personne là-dessus. Donc, du coup, en tant que enfin, moi je suis plus que le seul membre d'origine d'Deathwish, D'accord. et sur le premier album, il n'y a plus personne, hein, entre les deux premiers albums, il n'y a plus que moi. Et là, le line-up est stable, il y a une bonne osmose, on s'entend tous très bien. Donc voilà, ça fonctionne maintenant, on peut lancer la machine comme il faut, quoi. En fait, lorsque vous avez pensé à composer cet album, c'est en fait un deuxième album ou carrément c'est un nouveau premier album quelque part dans l'esprit? Alors, dans le mien, c'est un deuxième album qui est mieux que le premier, à mon sens, en termes de prod, etc. Mais c'est tout à fait normal, puisqu'on a mis plus de moyens. Alors ça, mais c'est que pour moi. Je pense, je m'engage pas non plus, mais je pense que pour les autres membres du groupe, c'est un premier album, puisqu'ils n'étaient pas là sur le tout premier, sur ces autres, ils n'y étaient pas. Ils n'ont pas composé les morceaux, etc. Là, ce deuxième album, a été entièrement composé par Aurélien. Clairement, enfin, à part Shot Dead qui datait de la première époque encore, mais sinon c'est composé par Aurélien.
Pour moi, je pense qu'ils voient ça comme un nouvel album, enfin un premier album pour eux, quoi. Ouais. Le trash, c'est comme une évidence. Dès le départ, vous y étiez, vous avez décidé de continuer, c'est-à-dire de rester dans ce genre. Ah, en fait, on ne décide pas. On ne se pose pas la question. Aurélien, quand il compose, c'est lui qui compose pas mal de morceaux. François, le nouveau guitariste, est arrivé juste après l'enregistrement de l'album, a amené maintenant pas mal de compos pour le troisième album qui est quasiment. On a 8-9 morceaux qui sont prêts, enfin qui sont au moins composés, on n'a plus qu'à la structure à mettre en place. C'est naturel. Aurélien a différentes influences, j'en ai différentes aussi. Sidi a d'autres influences aussi, mais on se regroupe tous sur le trash. Et donc, finalement, instinctivement, on fait du trash. Il y a des influences un peu de death, un peu différentes et variées, mais principalement c'est le trash, effectivement. Mais on ne se pose pas la question, ça se fait naturellement. D'accord, bon, je suppose que le point commun entre vous tous, c'est Metallica, non ? Pas forcément, pas forcément. Il y a Metallica, mais je crois que Metallica, c'est un point commun à quasiment tous les trashers sur la Terre. Au moins jusqu'au Black Album, maximum, peut-être pas après, mais tous les trashers ont aimé Kill Em All, Master of Puppets, Rise of Lightning, etc. Voilà. Après, on se recoupe. Nous, par contre, pas mal, beaucoup sur Slayer, qui est, d'ailleurs, on l'entend dans certains morceaux, les influences sont très présentes, hein, c'est très Slayeresque. Exodus aussi, dans les groupes de l'époque, Megadeth. Après, en groupe plus récent, il y a Avok aussi, où on adore ce groupe. Voilà, mais c'est beaucoup plus Slayer, Megadeth, Exodus, Testament aussi, d'ailleurs, j'ai oublié Testament. Metallica viendrait en second plan, on va dire. Ah, carrément! Ouais, par rapport à notre influence principale, en fait, de Push the Button, oui, après, il y a toujours un peu, en fait, mais Metallica, je crois que, qu'on le veuille ou non, Metallica est partout. Quel que soit le groupe qu'on va prendre, il y a toujours du Metallica quelque part, il y a toujours un riff à la Metallica, parce qu'ils ont innové dans quelque chose. Donc, tous les groupes qui sont venus derrière sont forcément influencés Metallica, donc on peut être influencé par Exodus ou Testament ou quoi, il y a toujours un peu de Metallica qui est là, voilà, c'est obligé, quoi. Alors, d'après toi, est-ce que c'est un petit peu grâce à eux que le thrash existe encore, que le genre subsiste et que des groupes comme vous peuvent exister et sortir des albums de thrash? Oui, mais pas que. Il y a des groupes quand même qui sont moins connus, mais qui dégagent une puissance et qui est remarquable. On pense à, je sais pas, à Avok, Warbringer. Il y a Suicidal Angel aussi, il y a Death Angel, il y a plein de groupes de trash en fait. Donc c'est ces groupes-là en fait qui font perdurer le style, c'est pas que Metallica. Metallica a une très grande durée de vie par contre, ça c'est indéniable. Mais il y a des groupes comme Slayer qui ont fait monter le trash d'un cran finalement en termes de puissance. Et après d'autres groupes se sont greffés dessus et c'est tous ces groupes en fait, c'est un amalgame de plein de groupes qui font que ça tourne encore, quoi. Oui, d'ailleurs, bon, c'est-à-dire, bon, c'est un genre qui continue à subsister un petit peu partout hein, dans le monde. D'ailleurs, la preuve en est, l'album de Angelus Apetrida, il y a quelques mois aussi, donc qui eux aussi ont pondu un album très fort. Ouais. Ouais, c'est très très bon groupe, Angelus. Hein. C'est un très bon groupe. Ah. On a eu la chance d'ouvrir pour eux il y a quelques années sur Paris. Clairement, c'est un super groupe, Angelus. Sur scène, ça envoie grave. Ouais. Alors, Push the Button. Ouais. Push the Button. C'était quoi la ligne directrice, en fait, que vous avez adoptée pour la composition? C'est uniquement de l'improvisation ou il y avait vraiment un conducteur, quoi? Non, c'est qu'on compose comme ça vient. Voilà. Il y a des idées, Aurélien notamment, ou même François maintenant, a des idées, il compose ce morceau comme il le sent, avec l'état d'esprit qu'il veut donner dedans. Nous, après, on remanie les structures ou pas, on fait quelques arrangements, on se met d'accord ensemble, et ça fait quelque chose, voilà. Et c'est ce qui fait aussi qu'il y a différentes influences trash, restant trash, mais dans chaque morceau, en fait. Shot Dead va être totalement différent de True God of Vengeance, qui va être différent de Wailing Wall, etc. Enfin, il y a des points communs, mais c'est jamais du copier-coller systématiquement, quoi. Donc, il n'y a pas de fil conducteur, c'est comme ça vient. Alors,
C'est un album qui a été composé pendant combien de temps en fait? C'est un album fils du confinement ou qui est là depuis plus longtemps? Ah, il est prêt depuis un paquet d'années, je dirais. On n'a jamais pu Ah l'enregistrer parce qu'il y avait des problèmes de line-up, de stabilité de line-up, et donc on ne pouvait pas aller au bout des choses. Mais je crois que cet album, il a été quasiment bien avancé quand Aurélien a intégré le groupe. Donc j'ai plus la date, mais ça fait bien 5 ans maintenant que l'album est prêt, hein. Enfin, et qui est composé. Et au même titre que ce qui est rigolo finalement, c'est que le troisième album, il est quasiment composé aussi. On n'a plus que des arrangements à faire, mais les riffs sont là, les idées sont là, et on va pas le sortir tout de suite. Donc, Ah on va ouais. déjà s'occuper de Push the Button. On a un EP aussi qui va sortir en février 2022, avec, on va prendre trois titres du premier album, donc de Seeds of Trash, et on va mettre un titre inédit qui sera que sur l'EP, il ne sera pas sur son album, ça s'appelle 1796, et il sera que sur cet EP, c'est un titre spécifique. Alors, c'est 5 ans pour finalement sortir cet album, mais ah, vous n'avez pas choisi la meilleure période, Ouais, exactement. On aurait pu faire mieux. Mais on s'est dit, en fait, il y avait une perte d'impatience parce qu'on avait attendu tellement longtemps, notamment Aurélien et moi, parce qu'on était dans les mêmes CD d'ailleurs, mais qui arrivent un peu après. Mais Aurélien et moi, on a attendu tellement longtemps avant de sortir cet album qu'on s'est dit, bon, ouais, on le sort, on verra bien. Rock'n'roll, quoi. Voilà, on va tenter quelque chose. Il y a du confinement, oui, mais le confinement permet quand même d'avoir un peu d'écoute en streaming, d'avoir un peu de. Il y a des plateformes de téléchargement qui fonctionnent aussi, enfin, plateformes d'écoute, il y a différentes choses. On s'est dit, on va faire de la com sur YouTube. On a eu beaucoup de chance aussi d'avoir Music Record qui nous a accordé, voilà, qui nous a signé. On s'est dit, bon, on va découvrir aussi ce que c'est de bosser avec un label. Ben, on y va, on verra bien, quoi. Et puis voilà. On défendra un concert quand on pourra, puis c'est tout. Ouais, voilà, justement, ce qui galère aussi, c'est de ne pas pouvoir défendre son album sur scène aussi. Oui, c'est frustrant, c'est frustrant. On aimerait bien pouvoir le faire. Après, je me dis, et je suis pas le seul dans le groupe, on se dit tout ça finalement, c'est que faut relativiser les choses. Il y a des, nous, on n'en vit pas. Voilà, on n'en vit pas. On essaye de pas perdre d'argent déjà, et ce qui sera déjà pas mal. Mais on pense à tous les gens qui en vivent vraiment, les intermittents du spectacle, tous ceux qui bossent, les ingé sons, les lighteux, les boîtes de booking, les boîtes de. Voilà, toutes les salles de concert en elles-mêmes, les programmateurs, ces gens-là, eux, c'est leur gagne-pain. Donc finalement, bah, on pense d'abord à eux, quoi, parce que c'est eux les plus importants. Nous, on a le temps de le défendre, tant pis, on le défendra en 2022, 2023. Mais eux, c'est maintenant qu'il faut qu'ils mangent. C'est pas dans 10 ans, quoi. C'est maintenant qu'il faut qu'ils payent leur loyer, leur crédit, leur etc. Voilà, ils ont des gosses aussi, hein, donc faut bien manger, quoi. Ouais, absolument, en espérant vraiment qu'on en sorte de cette galère mondiale, exactement. Ouais, non, mais c'est clair, c'est partout la même galère. Et Voilà. bon, de toute façon, on voit un petit peu que le monde du spectacle commence à un petit peu se mobiliser, hein, puisque y a des festivals qui sont organisés déjà cet été, Motocultor, et puis. Le Hellfest qui s'annonce l'année prochaine avec deux éditions et puis même des festivals aux États-Unis. Donc, espérons qu'il n'y ait pas un autre variant qui vienne plomber tout ça. Ouais. C'est l'histoire des variants. J'ai appris quand même, je crois que c'est hier avant-hier, que les concerts debout allaient reprendre le 30 juin en France. Bon, en espérant que ça fonctionne, que ça dure, comme tu dis, tu as raison, qu'il n'y ait pas un variant de je sais pas quel pays qui va arriver, ou le variant 25-42, ou je sais pas quoi, et qu'on puisse vraiment s'en sortir de ça, que les gens se fassent vacciner et qu'on en parle plus, et voilà quoi. Ouais, exactement. Alors, revenons à Push the Button. Pourquoi Push the Button? Déjà, le titre. Alors, bah parce que c'est le titre d'un morceau. D'accord. Le titre d'un morceau. Frank Vortex a écrit des paroles. Alors, je pourrais pas te dire de quoi ça parle à 100% parce que j'ai pas tout lu et j'ai. Voilà, en fait, je prête pas forcément plus attention aux paroles. Je lui fais entièrement confiance là-dessus. Mais c'est le principe, en fait, du côté. Comment dire?
Enfin, c'est presque en mode Covid, presque. C'est-à-dire qu'il y a des gouvernements, parce que le mec qui est assis sur le trône représente le gouvernement, un gouvernement parmi tant d'autres, mais c'est les gouvernements qui a le pouvoir en fait d'appuyer sur le bouton et de tout péter finalement, parce que les gouvernements, c'est ça, la politique, c'est ça, il peut tout exploser, donc d'où les ruines derrière, les déchets nucléaires et tout le bazar, parce qu'un gouvernement, les pays ou quoi, peuvent tout pourrir. Mais derrière, finalement, un gouvernement, est-ce que c'est lui qui décide vraiment? Bah non, il y a des lobbying et tout ça. Et donc l'ombre derrière, l'immense beast qui est derrière, représente tous les lobbying qui dirigent véritablement les gouvernements, quoi, finalement. Et donc les paroles sont axées là-dessus, en parlant de bah voilà, les gouvernements qui gèrent le monde, qui veulent prendre de l'argent, les politiques, etc., les banques, tout ce bazar-là. Et donc la pochette représente un peu ce morceau-là, quoi. Voilà, et puis une résistance un petit peu qui se prépare en bas avec le garçon et la fille avec le masque à gaz et puis apparemment des armes. Ouais, bah il joue en fait, c'est une résistance. Oui, non, en fait, ça montre qu'on en arrive à un point où les gamins jouent dans des cadavres et des déchets nucléaires avec des armes parce qu'il n'y a plus que ça, quoi. Ouais. Voilà. C'est le monde tel qu'il pourrait être un jour, éventuellement. On le souhaite pas, mais. Ouais, espérons pas. Vision D'accord. 400. Et en fait, comment ça se passe au niveau de l'écriture des paroles? Il y a un thème, il y a une ligne de conduite, ou finalement là aussi, c'est un petit peu à l'inspiration et selon les morceaux? Alors là-dessus, on laisse Franck faire ce qu'il a à faire. C'est entre guillemets son boulot. On lui fait entièrement confiance, il le fait très bien. Il a des idées. C'est quelqu'un qui est très productif en termes d'imagination. Il est très imaginatif. Il a un côté artistique qui est pour moi très développé. Et il le montre très très bien sur scène. Sur scène, il dégage une puissance qui est absolument remarquable. J'ai rarement vu si j'ai un chanteur. Et je trouve ça magnifique. Moi, je trouve ça beau, en fait. Quand je suis dans la batterie, je le vois, des fois, il fait des trucs. Je me dis, ben ouais, il envoie la patate, ils entendent avec lui. Et pour les paroles, c'est pareil. Il trouve des lignes de chant intéressantes, qui sont pas forcément classiques, en plus, et qui fonctionnent bien. Et pour les paroles, bah, c'est le même délire, en fait. Il est dans son truc, et c'est quelqu'un. Il est entraîné, il est dans son délire, en fait. Il part dans son truc, et il calcule plus ce qu'il y a autour. Et il est très productif, il est très efficace. Donc on laisse faire les paroles. Après, si on a quelques idées, on modifie ensemble, on essaie de caler par rapport à la musique, etc. Et puis, bah, si elle veut faire un truc, un fil conducteur sur 3-4 morceaux, bah, il le fait. S'il veut faire un truc totalement différent, il le fait. Du moment que ça sonne bien, que c'est des textes, bon, bah, qui soient pas des trucs de nazis ou racistes, ou etc., bah, après, voilà, il n'y a pas de souci, quoi. Et puis, de lui-même, parce que c'est pas quelqu'un qui est comme ça, donc c'est quelqu'un qui est super ouvert sur le monde, sur les gens, qui est super accueillant. Donc, bah, voilà, on sait qu'il n'y aura pas de souci là-dessus, il n'y a pas de problème. Voilà, carte blanche. Ah oui. Mais en fait, bon, vous êtes tous de la même ville ou vous êtes dans des endroits complètement différents? Alors, moi, je suis on est tous de la région parisienne, D'accord. mais on est dans trois départements différents. Voilà. Donc, en gros, il y a Paris, moi, je suis ici. Aurélien est juste à côté maintenant. Il a déménagé avant d'être sur Paris. Sidi est par ici, et avec Francesco, donc Franck Vortex, et François, il est encore plus au nord. Donc, il y en a que François et Franck mettent des fois 1 heure pour venir. Voilà, il y a une motivation qui est là aussi. Hein. Clairement, on répète tous les 15 jours, ils mettent 1 heure pour venir. Mais quand on répète, on est content de se voir, on s'amuse aussi et ça marche bien, quoi. Voilà, c'est la question que je me posais la question parce que bon, finalement, il y a beaucoup de groupes qui ont été obligés de ne plus se voir carrément. Là. Surtout, je pense à des groupes qui sont beaucoup plus internationaux, c'est-à-dire qui l'un est en France, l'autre en Belgique, l'autre en Finlande, et voilà quoi. Donc, c'est mission impossible. On n'en est pas là, nous. Puis, ouais, et puis bon, d'autres groupes, vous auriez pu être deux de Lyon et deux de Paris, ça aurait été encore plus galère quoi. Bah, on a testé avant, l'ancien chanteur Alban est parti habiter à Berlin. On a continué à répéter 1 an comme ça. Ça fonctionnait pas, c'était impossible. Après, nous, on répète tous les 15 jours, mais ça demande un travail individuel important, important. Il y a des moyens maintenant qu'il n'y avait pas avant.
Avant, un groupe devait répéter des fois 2-3 fois par semaine pour faire un truc. Là, maintenant, avec Internet, les envois compressés, les fichiers Guitar Pro, enfin, il y a tellement de logiciels à Cubase ou quoi, qu'on peut s'envoyer des fichiers, on s'envoie des fichiers mutuellement, chacun bosse dessus, ensuite on se voit en répète, en fait, c'est un calage plus qu'un apprentissage. Et si chacun fait son boulot correctement, normalement, il n'y a pas de problème, ça passe tout seul. Voilà, exactement. Mais c'est parce que moi, je suis toujours étonné du fait qu'il y ait des groupes qui ne soient pas à l'ancienne, tu vois. C'est-à-dire, ils se retrouvent dans la salle de répète, comme vous, tous les 15 jours pour, je sais pas, moi, même improviser, déconner, avoir un esprit de groupe, quoi, tu vois. Alors que bon, c'est vrai C'est que bon. l'Internet, ça permet de raccourcir les distances, mais bon, Ah, j'imagine que. ça raccourcit, mais s'éloigne en même temps par moment. Voilà. C'est un peu le piège. Après, je pense qu'il faut l'utiliser à bon escient. Enfin, forcément, nous on le fait, donc j'estime que ce qu'on fait, c'est comme il faut. Mais ça, c'est selon chacun, en fait, hein. Il n'y a pas de science exacte. Du moment qu'on s'y retrouve tous, c'est tous les 15 jours. Bah, ça permet d'avoir quand même un week-end sur deux en famille, parce que on aime tous une famille. Certains sont divorcés, etc., ont des enfants en bas âge, etc. Donc c'est important d'avoir ce côté familial. Et en même temps, ça nous permet aussi de nous retrouver, et pas forcément que pour répéter, parce qu'on pense aux répètes, comme tu disais tout à l'heure, mais il y a le côté aussi où on se voit après, on boit un coup ensemble. Il y a ce côté convivial où ça va au-delà de la répète, en fait. Parce que Ouais. pour moi, un groupe, ce que c'est jouer avec des potes, en fait. C'est pas un boulot, c'est un loisir. Donc on joue entre potes et c'est important. Ouais, exactement. Oui, voilà. C'est la convivialité et c'est ça qui permet d'unir, de créer un lien entre les différents membres du groupe, quoi. Exactement. Donc, push the button, les expectatives par rapport à cet album. Il est sorti en octobre. Comment est-ce quel accueil il a reçu jusqu'à présent? Alors, on a été surpris, vraiment. Voilà, c'est pas faire de la fausse modestie, on a vraiment été surpris. On a eu un très très bon accueil des critiques, clairement. Alors, forcément, c'est mon album, donc je me dis, parce qu'on fait, c'est bien. On va pas dire qu'on fait de la merde, sinon il y aura un problème. Mais on pensait vraiment pas qu'on aurait un aussi bon accueil de la part des critiques. Donc ça nous a fait très plaisir. Vraiment. Et au niveau international, en fait, parce que le label a fait beaucoup de promotion au niveau international, donc Music Record. On passe maintenant par Replica Promotion au niveau national. Et dans tous les cas, on a toujours un très bon accueil. Pendant le confinement, sans concert, on a vendu pas mal de merchandising, donc de t-shirts, de badges, de CD, de vinyles. Donc on en est très content. On en est surpris, mais heureux. Voilà, donc bon accueil global. On attend de reprendre les concerts, voir maintenant si en concert le public accrochera aussi, quoi. Ouais, et justement, en parlant-en cancer, vous vous y préparez déjà? Vous commencez à prendre des contacts pour, je sais pas quand, Ah, 2022? ça fait tellement longtemps qu'on est prêt pour les concerts. Ça fait tellement longtemps. On est prêt, oui, bien sûr, on est prêt. On est prêt, on a ce qu'il faut, il n'y a pas de problème. Après, les contacts, bah, on tente des choses. Mais enfin, en 2020, on avait commencé à bosser sur une tournée européenne qui forcément est tombée à l'eau. On attend de voir, en fait, déjà, on n'a pas de perspectives d'avenir pour l'instant. Ça commence tout doucement à reprendre. Donc, voilà, il y a quelques dates qui commencent peut-être à se booker. Voilà, il y a quelques petites propositions, mais voilà, c'est un frémissement pour l'instant. On attend vraiment que les choses reprennent correctement pour pouvoir commencer à démarcher certaines boîtes de booking, etc., et voir comment travailler, parce que les boîtes de booking, on ne sait pas dans quel état elles sont. Les salles, on ne sait pas dans quel état elles sont. Quelle salle a fermé, quelle salle est restée ouverte. Voilà, on essaie de voir un peu ce que ça donne. Donc pour l'instant, ça reprend timidement, on va dire, mais on prépare la suite. Ah, c'est clair, mais c'est pas la meilleure période, ça c'est clair. Et puis en plus, comme tu dis, c'est clair que le milieu, on en a bavé, on a pris plein la gueule, quoi, ça c'est Ouais, clair. c'est pour ça. Ouais. Donc on laisse respirer un petit peu, on laisse se remettre en route et puis après on ira démarcher, voilà, tout simplement. Ouais. Sinon, pour entretenir l'album,
Qu'est-ce que vous comptez faire par la suite? Vous avez des clips en vue, un live streaming peut-être, un concert en live streaming, des choses comme ça de prévues? Alors, les live streaming, ça demande quelques petits moyens sympathiques que nous n'avons pas, clairement, voilà. Donc, on ne pourra pas se lancer là-dedans. Et moi, j'ai un peu de mal avec les live streaming. Alors ça n'engage que moi, hein, mais surtout pour du trash. Pour moi, le trash, quels que soient les groupes que j'écoute, j'ai tendance à écouter des lives, que ce soit Slayer, Megadeth, Exodus, Testament, je vais écouter des lives parce que pour moi, le trash, c'est une musique de live. C'est une musique de scène, c'est une musique de puissance, c'est là. Sur album, c'est sympathique, j'adore le trash, c'est sympathique. Mais en live, ça prend toute sa mesure, en fait. Ça prend de l'ampleur, ça roule au compresseur, bam, bam, ça envoie. Enfin, faire du live streaming, j'ai l'impression de répéter finalement. C'est pas pareil, quoi. Je pense qu'on mettra moins d'intensité dans notre jeu. Et d'être ici, c'est un groupe sur scène qui se nourrit en fait, du public. Et si on n'a pas ce public, on ne mettra pas la même intensité, ce ne sera pas pareil, donc ça peut être décevant. Donc on préfère ne pas se lancer là-dedans, surtout qu'on n'a pas en plus les moyens. Donc si on mélange tout ça, c'est pas rentable. Après, là, des clips, on en a fait deux ou trois déjà. Des petits lyrics vidéo, des trucs sympathiques. Là, maintenant, on va vraiment s'attacher. Donc, on termine la promo de Push the Button. Et on a enregistré, là, donc c'est en cours de mix, un EP, comme je disais tout à l'heure, qui va sortir au mois de février. Donc, on va se mettre dessus. On va tourner un clip aussi par rapport à cet EP. Et on va passer à l'EP maintenant. Mais tout en défendant Push the Button en live en 2022, dès qu'on pourra le faire. Hein, puisque l'EP, ça reste quand même des titres du premier album, mélangés avec un titre inédit. Donc, finalement, il n'y aura pas de grande nouveauté. Ça va être une transition pour arriver vers le troisième album. Voilà. D'accord, en fait, vous avez repris les titres du premier album, mais joué avec le nouveau line-up, c'est ça? Oui, parce qu'en fait, donc Music Keyboard nous a proposé de rééditer le premier album. En fait, on s'est dit, bon, la qualité d'enregistrement n'était pas top, et on a fait que les moyens qu'on avait. On s'est dit, bon, on ne va pas réenregistrer le premier album, ce ne serait pas forcément utile. On s'est dit, pourquoi pas faire un EP, on prend trois titres du premier album. Voilà, et on réédite les choses en fait. Et effectivement, je pense que c'est bien que le line-up actuel le fasse, parce que c'est une façon de jouer qui est différente. Aurélien, François, Franck va chanter différemment qu'Alban, Sidi va attaquer différemment. Enfin, il y a toute une attaque différente des musiciens. Donc finalement, c'est bien de refaire ça et d'inclure un titre inédit finalement. On s'est dit, bon, voilà, on va faire comme ça. Puis c'est pas, enfin, c'est intéressant finalement. Enfin, la phase d'enregistrement est intéressante parce qu'on a. Enfin, c'était intéressant de voir, alors surtout pour moi, ayant vu le premier et le deuxième, enfin, le premier album avant en plus, c'était intéressant de voir l'approche des musiciens qui était totalement différente finalement par rapport au premier album. Et c'était bien, enfin, je trouvais ça, ouais, enfin, mais ça n'engage que moi, je trouvais ça intéressant, je sais pas comment expliquer en fait. Une approche différente des musiciens, Franck voulait chanter des trucs un peu différemment, avec une voix un peu différente, une attaque différente, et c'est pas mal, quoi, je trouve ça cool. Bah oui, c'est normal de se réapproprier le truc, hein, parce que bon, Voilà. sinon ça mine à rien, ça ne rime à rien, quoi, c'est clair. Exactement. Ouais. Très bien, bah écoute, bon courage, bonne continuation. Push the Button, très très bon album, que je vous conseille tous et toutes d'aller chercher dans votre bon maison, l'endroit où vous achetez vos CD, hein, j'en sais rien maintenant, tout est en train de changer, donc que ce soit sur le digital ou en vinyle ou en CD, voilà, donc Push the Button du très très bon thrash metal, un groupe de thrash metal français, c'est un petit peu, regarde, c'est un peu vu comme une bizarrerie à l'étranger, ou comment vous êtes perçu en fait à l'étranger? Alors, oui, en fait, c'est ça qui est très drôle dans les chroniques qu'on a eues, notamment les pays de l'Est, donc tout ce qui est Allemagne, on a eu Allemagne par quelques chroniques aussi, on a eu Italie, etc. Les gens ne s'attendent pas forcément, quand on pense thrash metal, en fait, on ne pense pas forcément à la France. C'est pas là qu'on va chercher. Et d'ailleurs, les gens se disent, mais en plus, on a une sonorité qui est quand même très typée américaine. Et les gens ne devinent pas forcément qu'on est français dès le départ. C'est assez rigolo. Et les chroniques, on avait pas mal de chroniques qui disaient, pour un groupe français, finalement, on ne s'attendait pas à ça. Voilà. Et je trouve ça drôle, en fait, finalement. Je me dis, Ah ouais.
Le compliment qui t'a fait le plus plaisir? Ah. Ce qui m'a fait plus plaisir, bah, c'est que le groupe en fait soit vu par certaines chroniques, on nous a cité comme une référence du métal français, notamment au niveau thrash forcément. Ça m'a fait plaisir et aussi le fait qu'on s'est retrouvé, alors ça on savait pas du tout, on l'a su par hasard. On a été classé 15e dans un magazine brésilien, il me semble. Sur le top, dans le top 20 des sorties thrash metal 2020, on était classé 15e. Wow. Au milieu de groupes en fait qu'on kiffe. Voilà, c'est nos références. On est classé au milieu de Warbringer, d'Avoc, de groupes comme ça. On se dit, mais ouais, bah, c'est cool. Et ça nous fait plaisir. Donc voilà, c'est vraiment les retours qu'on a eus. Et ça nous a touchés, quoi. Voilà. En espérant donc maintenant vous voir sur scène, hein, voilà, donc Ouais. en On France et à espère. l'étranger. Ouais. Ah ouais, En bon. fait, la fanbase, c'est les plus grandes à l'étranger ou en France? J'en sais rien. En fait, j'en sais rien. On a réussi à vendre quelques trucs aux États-Unis. On a vendu au Danemark, en Espagne. Donc, on a des gens qui nous suivent par là-bas. Donc, ça, c'est cool. On a vendu aussi en France. Je sais pas si elle est plus importante en France. Après, on est un petit groupe. Donc, on n'est pas forcément plus connu que ça. Alors on va voir maintenant avec la promotion qu'il y a maintenant autour de Push the Button ce que ça peut donner. Mais on n'est pas super connu. Voilà, donc en concert en tout cas, les concerts qu'on a fait, ça marchait bien. Bah on verra bien. On n'a pas eu la chance de pouvoir jouer à l'étranger encore, donc on ne sait pas ce que ça donne à l'étranger. On espère le faire. Voilà, en tout cas on tente les choses, quoi. Et au niveau de la presse, des médias français spécialisés dans le métal, vous avez obtenu, avant Roger justement, avant l'intervention de Replika, parce que bon, Ouais. avec Roger c'est l'autoroute, mais avant, C'est vous vrai. avez obtenu un soutien par rapport à votre album en tant que groupe français ou alors non, pas plus que ça. Pour qu'on ait un soutien, faudrait. Genre, est-ce qu'il y a la préférence française? Parce que, en fait, je ne peux pas te répondre, puisque pour qu'il y ait un soutien français, une préférence française ou quoi que ce soit, il faut déjà que les magazines, etc., sachent qu'on existe. Et on est un groupe au milieu des milliards de groupes. Donc pour sortir de l'eau, c'est très compliqué. Des demandes de chroniques, ils en reçoivent des millions. Donc ils sont obligés de trier, etc. Ça peut être du temps. Donc je pense que pour sortir un petit peu de tout ça, il faut une promotion spécifique. Et nous, c'est pas notre métier. Il y a des gens dont c'est le métier. Donc, je le label a fait son boulot à l'étranger, ça a fonctionné un minimum. Roger fait son boulot en France, ça fonctionne aussi. Maintenant, de là à dire ce qu'il y a une préférence, je sais pas. On a eu quelques chroniques en France au tout début, qui ont été bien accueillies aussi. Bon, voilà, mais on est un soutien, je pense qu'on a un soutien en fonction des gens, de ce qu'ils nous connaissent ou pas, tout simplement. Ouais, tout simplement, Soutenir un groupe qu'on exactement. connaît pas, c'est compliqué, quoi. Ouais. Très bien, bah écoute, bonne continuation. Bah merci, Et merci à toi, hein, bonne émission aussi, super sympathique. Hein. voilà, écoute, mais sinon, la question classique, t'es déjà venu en Tunisie? Eh non, eh non, eh non, non, non. Le plus loin que j'ai Même pas fait, en c'est vacances. l'Espagne. Hein. D'accord. Le plus loin que tu as fait, c'est l'Espagne. Ouais. Voilà. Bon, bah Voilà. voilà, donc. T'as une destination maintenant à rajouter. Ouais, mais on aimerait bien faire plus, hein. On va tenter le coup, hein. S'il y a moyen un jour d'aller en Tunisie, ben on ira en Tunisie, il n'y a pas de problème. Ouais, voilà, donc en espérant que vous veniez jouer ici, un de ces quatre. Très Hein. bien. Bah écoute, merci beaucoup Alex. Très très bonne continuation. Merci de l'accueil, hein. Super cool. Bye. Hein. Allez, bonne Zanzana, l'émission métal.